Un nouvel horizon s'ouvre pour Samuel et Omar, deux réfugiés érythréens tout juste arrivés dans ce premier centre provisoire d'hébergement de Savoie. C'est beaucoup intense, c'est gras. C'est moi la comprendre, la parler un peu difficile. Tu vas progresser. Oui. Ici, Samuel est entre de bonnes mains. Il va pouvoir améliorer son français grâce à un projet d'accompagnement personnalisé. Mais dans la vie quotidienne, il doit être autonome. Petit gâteau, petit thé, sachant que nous, on ne leur fait pas leurs courses. C'est eux qui font leurs courses avec leurs moyens et qui cuisinent entre eux. Nous, on est là juste pour donner un coup de main au niveau administratif, au niveau accompagnement au quotidien. Venus pour la plupart de pays en guerre comme la Syrie, l'Irak ou la Somalie, ce séjour à Moutier est pour les réfugiés un premier pas vers l'intégration. L'objectif, c'est un accueil de 9 mois maximum et sous dérogation de 12 mois. Et le turnover se fait au fur et à mesure quand il y a des places de disponibles en accueil et quand il n'y a plus de places de disponibles, l'orientation se fait sur un champ plus vaste des centres provisoires d'hébergement. L'accueil sera réparti dans 21 logements sur 7 communes de la Savoie pour une offre de 60 places. L'objectif est de permettre aux personnes de mieux s'intégrer en étant tout de suite mis en lien avec la population et non pas regroupés de manière collective. Voilà un petit peu l'idée générale du projet. Une mixité qui devrait permettre à ces réfugiés de gagner leur place de citoyens.